Ça va, ma Ciboulette? Oui. Veux-tu m'aider? Non, non. Tu préfères regarder? Oui. Ça va être bon, hein? Oui. C'est pour nous? Ah non, c'est pour Ève. C'est sa table de cuisine. Ah si c'est pour Ève, je vais bien t'aider. Vas-y, ma Ciboulette. Comme ça. Tu fais ça comme une vraie professionnelle. Moi, je ferais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour Ève. Ah? Tu l'aimes beaucoup? Oh oui. Pourquoi? Parce qu'elle a un beau sourire. Ah, ça, tu as raison. Elle a un très joli sourire. Et puis, elle chante bien. Mmh. Elle a aussi une très jolie voix. Mmh. Je l'aime beaucoup, 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 Ève. Parlant d'Ève, justement, Ciboulette, j'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Je dois aller manger avec elle ce soir. Chez Ève. Ah non, 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 ce n'est pas chez elle que je suis invité. Ah! Tu comprends, elle ne peut pas m'inviter chez elle, hein? Elle n'a pas de table. Sa table et ses chaises sont ici. Ah ouais? Bon, où est-ce qu'elle nous invite? Elle m'invite au restaurant. Ah! Au restaurant? Je ne suis jamais allée au restaurant. Forcément, les chats ne peuvent pas entrer dans les restaurants. Les chiens non plus, d'ailleurs. Je vais être la première chatte à aller au restaurant. Youpi, youpi. Bien non. Justement, Ciboulette, je ne peux pas t'amener. Ah, où est-ce qu'on va aller manger dans ce cas-là? Bien, moi, je vais aller manger au restaurant avec Ève et toi, je vais te faire garder, je crois. Quoi? Que veux-tu, Ciboulette? Je n'y peux rien, hein? Les restaurants ne sont pas faits pour les chats. Oui, ça, par exemple, ça ne se passera pas comme ça. Mais calme-toi, Ciboulette, ce n'est pas si grave que ça. Pourquoi les humains peuvent-ils entrer dans les restaurants et pas les chats? C'est injuste. C'est un moyen de respecter la tranquillité des clients. Oui, comment ça? Je suis tranquille, moi. Très tranquille. Toi, oui, mais tous les chats ne sont pas comme toi. Hein? Il y en a qui grimpent sur les tables et qui mangent dans les assiettes des dîneurs. Avoue que c'est un peu embêtant. Mais moi, je ne fais pas ça, moi. Peut-être, mais le restaurateur, lui, il ne te connaît pas. Hein? Et puis, il établit des règles pour tous les chats. Et je ne peux pas t'amener, Ciboulette. Tu n'as qu'à ne pas y aller. Ciboulette, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? D'abord parce que j'ai très envie d'aller au restaurant ce soir, et puis ensuite parce que ça ferait de la peine à Ève. Oh, vous n'avez qu'à venir manger ici avec moi, hein? Ce n'est pas pareil. On va faire comme si on était au restaurant. Moi, je vais préparer le repas et je vais faire le service, hein? Mais non, Ciboulette. Je te jure que je suis capable, Félix. Il y a un restaurant dans le quartier, hein. Puis j'ai bien observé à travers la vitre comment le restaurateur s'y prenait. Hein? Non, Ciboulette. Oh, laisse-moi faire un essai, s'il te plaît. Hein? Je peux bien te laisser faire un essai, mais je te préviens que je vais quand même au restaurant ce soir. Bon, écoute, moi, je vais tout préparer. Quand Ciboulette a quelque chose dans la tête, elle n'en démord pas facilement. Oups! Faut que j'aille téléphoner, moi. Il faut trouver quelqu'un pour garder Ciboulette ce soir. Qu'est-ce que tu fais, ma Ciboulette? Tu le vois bien, je prépare mon restaurant. Ah. Tu attends beaucoup de monde? Oh, j'ai invité tous mes amis. Tous les amis du quartier? Bien sûr. Les Patrick, Mireille. Oh, ce sont eux. Va ouvrir, Félix. Tu les as invités pour vrai? Bien sûr. Vite, Félix. Il ne faut pas faire attendre les clients. Ça, par exemple. Bon. amis. J'ai prouvé à Félix que je sais bien me tenir dans un restaurant. Ça va peut-être le faire changer d'avis. Ah, tu peux faire entrer les clients. Ce n'était pas un client. Hein? C'était qui? Bien... c'était le gardien qui prendra soin de toi ce soir. Est-ce que je le connais? Bien... non. C'est pour ça qu'il va revenir dans quelques minutes pour que tu fasses connaissance avec lui. Ah bon, ouais. Bon, en attendant que tout le monde arrive, veux-tu faire le client, Félix? Ah, je ne peux pas, Ciboulette, j'ai trop de travail. Excuse-moi. Ah, d'accord. Bon, bien, on va attendre les clients. C'est long. Oh, j'ai hâte de commencer, moi. Je vais aller jeter un petit coup d'œil dans la ruelle. Hmm? Je vais peut-être avoir un client au coin. Ah, les amis, s'il y en a un qui arrive pendant mon absence, faites-le asseoir. Hein? Assis. Pas toujours. Oui. On reste assis et on ne bouge pas. Je le sais, je le sais. Je l'ai vu par la fenêtre du gros restaurant dans le quartier. Ah, tu ne connais rien là-dedans. On ne reste pas toujours assis au restaurant. Oui. Non, il faut se lever pour aller faire pipi si on a envie. Ah, bien sûr. Mais pour manger, il faut rester assis. Non. Oui. Non, c'est mon papa qui me l'a dit. Comment ça? Ah, et il y a des gens qui mangent couchés. Quoi? Les malades? Non, pas les malades. Autrefois, les Romains mangeaient couchés. Je veux manger! Je veux manger! Je veux manger! Bon. Qu'est-ce que tu veux? Des fraises. Oh, je n'en ai pas. Des framboises. Je n'en ai pas non plus. Des bleuets? Je n'en ai pas. Y a rien dans ton restaurant? On a du lait, du pain, du poisson. C'est un drôle de restaurant, ça. Alors? Je vais prendre du lait. Du lait, d'accord. Non. Hé! Fais ça vite! J'ai faim! Je vais me cacher sous la table et lorsque Ciboulette va arriver, je vais lui faire peur. C'est pas moi qui ai fait ce guide. C'est dégueulasse, c'est toi. Reste tranquille. Regarde, j'ai trouvé un morceau de gâteau, là. Hey, qu'est-ce que tu fais? C'est bon. Hey, tu as une cuillère, hein? Ben, pas besoin. Autrefois, les gens mangeaient avec les doigts. C'est mon papa qui me l'a dit. Hey, ma nappe! Ben, autrefois, la nappe servait à s'essuyer la bouche. C'est ton papa qui te l'a dit. Le gâteau était pas mal. Bon, il faut que je m'en aille. Attends! Quand on vient au restaurant, il faut payer son repas. Remarque que de nos jours, on a des chaises, des assiettes, des serviettes de table. On n'a aucune raison de ne pas se servir de tout ça quand on est à table. Je suis d'accord avec toi, Félix. Moi, là, si on m'invitait au restaurant, je serais la chatte la mieux éduquée que tu n'aies jamais vue. Je n'en doute pas, Ciboulette, mais malheureusement, c'est impossible. Ah, Félix, c'est le restaurateur. Tu vas voir comme je sais bien manger au restaurant. Félix! C'est impossible, Ciboulette. Oui, pourquoi? Tout simplement parce que je ne vais pas au restaurant. Ève m'a envoyé ce petit mot. Oui. Elle est malade et elle ne peut pas aller au restaurant. Ciboulette. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas drôle d'être malade. Alors, c'est moi qui va te garder. Oh, toi, là, mon Félix de joueur de tour. Oh, mes invités. Oh. Je vais répondre, il va y avoir une collation pour tout le monde. Attends, moi, c'est moi qui fais le service. Au revoir, les amis. Wapi.